sonorer les foules et déclencher les passions. Avec le palmarès impressionnant, il est l'un des plus brillants de sa génération. Né en mars 2000 à la manade de Pomela, de Joël, Sylvie et Guillaume Alençolas, au Sainte-Marie-la-Mer, il est le descendant du célèbre cocardier Tristan, de la manade Soma. Cocardier exceptionnel, il fait partie des quatre seuls taureaux ayant remporté trois fois le Diodor, avec Loustic de Laurent, Baraillé de la Font et Camarina de Chauvet. Sa carrière a débuté le 2 juin 2004 à Bouillarde. Sa première course de Ligue a lieu le 24 juin 2004 à Jonquière-Saint-Vincent. Il y participe au Trophée de l'Avenir pour la première fois à Cavaillon le 26 mai 2006 et au Trophée des As le 21 mai 2009 à Alès. Il remporte son premier prix le 27 octobre 2007 à Mézanne. Et cette année-là, sa saison a été interrompue par une fracture à la patte arrière. C'est dire l'engagement et toute l'énergie déployée dans ses prestations. La suite, on l'a connue. Dior de l'Avenir en 2009, Dior d'Or 2011, 2012 et 2014, Dauphin du Dior d'Or en 2013 et 2015. En près de 10 ans de carrière, Garland a remporté de nombreux trophées dans toutes les grandes arènes de la région pour la plus grande joie de ses managers, gardiens, amateurs et supporters. Dans l'arène, sa force de combattant était son intelligence, son calme, son passement et surtout son anticipation sur le rasier. Dominateur, il se faisait respecter et était redouté de rajouteurs. Au terme de 73 courses dans toute sa carrière, il a fait ses adhérents à la piste le 14 novembre 2015 au Sainte-Marie-de-la-Mer, où il a aujourd'hui sa statue grandeur nature devant les arènes. Depuis, il vit une retraite paisible dans les prés de la manade des Beaumères. Mesdames et messieurs, chers amis aficionados, je vous demande de réserver une grande ovation au Tourcard. Au nom de la ville de Montréal, remercier la manade de Beaumères.